Vogue, vogue, vogue de la galère. Partez, moussaillants, vous avez 20 ans. Partez en vacances, quittez votre belle Rochelle et prenez les eaux avec les gargouillots, fleuriots et autres admiraux. Mais où vont-ils donc ces hommes quand ils s'en vont? Là est la question, belle Marion. Ils vont vers des rivages lointains. Ils vont vers l'aventure avec entrain. Mais savent-elles ces âmes bien-nées qu'elles vont devenir des négriers, qu'elles vont profiter de ces petites mains noires qui fabriquent du sucre blanc pour des hommes blancs aux idées noires? Mesdames et messieurs, c'est ainsi, malheureusement, qu'au siècle des Lumières a fleuri le commerce triangulaire. On sait que cette réforme va nous pourrir la vie. On sait que notre existence est meurtrie. Mais on oublie une chose, c'est que cet individualisme nous tuera avant. Alors je pense que le collectif ne peut que permettre de faire ressurgir quelque chose de merveilleux qui nous fait vivre. La culture, mais sans la culture, peut-être qu'on ne vivrait pas, mais sans vous non plus. Intermittent, non intermittent, on est ensemble. S'il vous plaît, mon message, arrêtons de nous recroqueviller sur nous-mêmes. Ouvrons notre cœur aux uns aux autres. Écoutez les uns et les autres. Même le tout seul, il a envie d'être entendu. Les cinq, on vous entend. Mais le quatre, on commence à avoir de la difficulté. C'est pas parce qu'on est tout seul qu'on ne peut pas compter sur les quatre autres. Donc je compte encore sur vous pour ce petit message. Simplement pour dire que les uns, les autres, on a tous une force. Mais arrêtons de marcher chacun pour soi. C'est tout ce que j'étais à dire. Merci. Bonjour. Je voudrais juste vous partager une phrase de Louise Michel qui disait « Je suis ambitieuse pour l'humanité. Moi, je voudrais que tout le monde fut artiste, assez poète pour que la vanité humaine disparût. Merci. Ton ombre enfoncée sur une pique au bout de chacune de mes artères souffle raide le long des rivières, estampillée ad vitam aeternam. Dessine-moi un fantôme, ça c'est la caisse. L'homme que tu veux est dedans, jeune, beau, grand, mort. J'ai des fourmis plein les oreilles, je te suffoque à la folie mon amour. Repose en paix. J'ai l'œil droit qui s'invente un courant d'air pendant que j'essaye d'avaler ma salive. Je voudrais me recoudre, délicatement, m'avaler et me recracher avec élégance, et rester un peu là. La porte a claqué, j'ai sursauté. C'est rien, a-t-il dit. Juste la porte, juste le vent. Un point de solitude, là, devant moi, déterminé, bien enfoncé, page qui se creuse, mine qui se plie, point qui me courbe, poids du poing, là, devant moi. Juste un point, mais acéré. Juste un point, mais pas de côté. Pas de côté ? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Reste droit, suis-moi, point. Envie de slammer partout, chez toi, chez eux, chez vous. Envie de slammer, c'est fou, pour faire rire, pleurer, divertir. Pour provoquer les préjugés, inciter à la réflexion, pour rendre hommage aux martyrs. Envie de slamiser toutes les régions. Le prosélytique met en action, je suis slamiste, ouais. Je crois au slam. Je suis extrémiste, soit, mais j'ai des états d'âme. Je suis slamiste, je suis en mode conversion. J'irai slammer dans les prisons, pour créer la cohésion entre les matons et les adeptes de l'incarcération. J'irai slammer dans les maisons, pour provoquer la communication entre les gamins et leurs darons. J'irai slammer dans les écoles, mais aussi dans les spectacles de guignols. Il y en a plein qui diront que je suis folle, mais grâce au slam, moi, je m'envole. J'irai slammer aussi dans tous les quartiers de Paris, pour rassembler les gens de la bourgeoisie et les mecs de Tessie. J'irai dans vos cages d'escalier, pas pour faire la chauffeuse, mais pour slammer. Tu pourras essayer de me virer, mais je sais que tu finiras par m'adopter. J'irai slammer très loin, car j'aime les grands chemins. J'irai slammer avec les gamins qui ne mangent pas à leur faim. Je sais que le slam, ça nourrit, et que les paroles, ça remplit. J'irai slammer dans la bande de Gaza, sur des airs d'intifada. Slammer d'amour dans un monde de haine. Faire slammer ensemble palestiniens et israéliennes. Et pendant tous mes voyages,
Je slamerai toujours en regardant le paysage. Les voyageurs et les autochtones seront mes muses et mes compagnons d'atterrissage. Je slamerai dans la cabine du conducteur de métro et avec les usagers de la RATP dans les wagons, tous ensemble, bien confinés, avec des odeurs d'humanité et quelques bédos qu'on fera tourner. J'irai slammer avec tous les oubliés, les papis, les mémés qui coupissent dans leur lit avec leurs couches bien imbibées. J'irai leur demander de me raconter leur vie et de m'apprendre ce qu'on m'a pas appris. Et j'amènerai avec moi Sarkozy et tous ses potes de Neuilly. Je les convertirai aussi au slam et à la poésie. Je slamerai jusqu'à l'Élysée, sans cape ni épée. J'irai dans les églises, dans les mosquées, dans tous ces lieux sacrés. Mon appel à la prière dira d'aller slammer. Slam alaikum, mes frères. Arrêtez de vous laisser diviser. Le slam peut vous rassembler. Et j'irai aussi en Syrie avec mes potes DJ pour aller slammer avec les djihadistes et les égorgés. On leur donnera des stylos qui remplaceront leurs couteaux. On criera tous ensemble à la Wakbar pour arrêter ce chaos. On demandera aux journalistes, journaleux de se mettre au slam pour arrêter leur écrit belliqueux, pour nous proposer de nouveaux programmes, pour rendre les gens heureux, pour embellir leurs âmes. C'est ça, le slam. Comme dit l'ami Roberto, on va slammer. Sur ce coup-là, il a un peu copié Gilbert Montagnier. Mais Roberto sait bien que le slam, c'est la fraternité. Alors slameur, slameuse, slamons. Ici, là-bas, à l'agora, à la coursive, dans nos maisons, touchons les cœurs et soyons fiers de nos émotions. Car je suis sûr que le slam, c'est la plus belle des religions. Je comprends pas toutes les choses de non essentiel parce que c'est comme ça qu'on peut s'exprimer l'art en fait en général, que ce soit la musique, que ce soit les poèmes et tout ça, c'est super important et voilà, et continuer à préserver ça parce que on commence à oublier la musique alors que c'est quelque chose de très important qui prend de la place dans nos vies. Voilà.